mes enfants complaisants. Sortez d'Égypte et venez dans le désert me trouver. 5 mars 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère Mary, traduite et lue par Justine. Mary a reçu ce message à 1h11. Il est l'heure d'aller dans le désert. Je prononce ces paroles pleines d'affection pour vous. Vous devez vous rendre dans le désert et le plus tôt, c'est le mieux. J'ignore pourquoi vous voulez vous accrocher à cette vie. C'est être complaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je dois vous prévenir, l'heure de la bête est là. Plus vite vous prendrez la décision, et mieux vous vous en tirerez pour supporter ce qui vous attend. Cessez de consulter le cours de la bourse. Pour certains, cessez de regarder la télé ou d'être constamment branché sur une source musicale. Vous ferez ce périple avec joie. Vous avez eu un désir si ardent en vous de passer du temps au calme et dans la solitude avec votre Père, Abba. Un moment va vous être accordé bientôt, avant midi. Vous vous hâterez et jamais nagerez un chemin. En effet, l'éternité attend tous ceux qui cherchent. Ils la trouveront. Je viendrai te protéger et te secourir, mon épouse. Et mon désir est que vous en fassiez partie. Allez dans un endroit plus élevé. Bientôt, la marée va s'élever plus haut qu'une montagne. Les grandes villes brûleront et beaucoup voudront cesser de vivre, mais beaucoup devront affronter ce qui se passe. Mieux vaut faire des plans maintenant pour pouvoir vous déplacer là où vous le pouvez. La panique va gagner les masses. Les gens vont grouiller dans les villes, comme des fourmis courant en tous sens après un coup de pied dans la fourmilière, à la recherche d'un endroit plus sûr où se réfugier. Va dans le désert, mon enfant. Vas-y maintenant.